à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo va concerner encore une fois, un bot, comme vous avez pu le voir dans le titre. Et c'est un bot pour le côté fun, le côté amusement, le côté passer une bonne soirée et s'amuser entre potes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter le bot Akibot. Alors, il y en a certains qui vont le reconnaître, qui vont savoir, qui vont dire ah tiens c'est ça, puis il y en a d'autres où vous en avez jamais entendu parler. Alors tout le monde normalement, du moins beaucoup de personnes doivent connaître le site Akinator, le fameux intelligence artificielle qui va essayer tout au moins de trouver à quoi vous avez pensé avant d'y jouer. Bon, du coup, en fait, il va vous poser différentes questions et vous allez dire oui, non. Et le bot, au final, quand il aura assez de réponses et que pour lui ça sera bon, il vous dira bah, à quoi il pense. Et c'est là que vous allez dire oui, c'était bien ça ou non, c'était pas ça. Donc, il y a quelqu'un qui a repris ça et qui a fait un bot pour pouvoir vous amuser sur Discord, bien entendu. Le bot, donc AkiBot. Le bot Aki. Alors, il y a plusieurs commandes, je vais vous les apprendre différemment. Alors, déjà, si vous êtes français, on va déjà vous aider à le mettre en français. Oui, non, il est compatible, entre guillemets, 15 langues. Donc, l'arabique, le chinois, le néerlandais, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, l'espagnol, le portugais, le turc, voilà. Il possède beaucoup de langues. Nous, bien entendu, c'est français, hein. Voilà. Donc les commandes, point d'exclamation, acquis. Après donc langage, pour lui dire que c'est la langue qu'on veut changer. Langage. Espace. Et donc du coup nous c'est French, donc français. Alors je sais pas s'il faut mettre French ou FR. Voilà. Anaconda, tout ça, tu préférais de langage tout français. You need to start a new the games. For the change, tout est qu'effect. Nickel. Et en plus, le bot a réagi. C'est beau. Donc, après, bien entendu, comme tout bot, il a une petite commande pour les commandes. Faut savoir ce qu'il a. Hein. Donc, du coup, voilà toutes les commandes qu'il a. Donc. Aki start pour commencer le jeu, le help ce qu'on vient de faire, vous pouvez à tout moment stopper. Le Aki invite bah, c'est pour vous inviter au serveur officiel de Akibot. Les stats. Resend hello message tout simplement pour le message de bienvenue quand vous invitez le bot sur votre serveur. Le Aki user c'est pour avoir des informations par rapport à une personne. Les guilds, tout simplement, le guild c'est le serveur, c'est pour avoir des informations à propos du serveur ou d'un autre serveur. Le langage c'est par rapport à ce qu'on vient de faire, donc changer le langage du bot, donc c'était le français. Le ladder c'est pour savoir qui a gagné le plus de fois à Akibot, qui est au top. Le Aki strong enable contrôle réaction force the guilds. Ça dépend de la réaction, hein, ça dépend des réactions que le bot doit mettre. Donc par exemple là il m'a mis une tête, donc je pouvais changer cette réaction tout simplement via cette commande. Donc non, pas changer, l'activer ou la désactiver, voilà. Celle d'en bas donc c'est pour un random. Encore celle d'en bas c'est pour changer le préfixe. Actuellement le préfixe c'est le point d'exclamation, vous pouvez le changer par autre chose. Parce qu'il y a plusieurs bots, et si au cas où vous avez différents bots qui ont le même préfixe, pour éviter qu'il y ait un autre bot qui vous réponde, ça sera mieux que vous le changez. Le vote check c'est pour avoir le vote check, donc à mon avis ça doit être pour un vote, je sais pas trop quoi. Le soundboard, bah comme le nom l'indique, c'est pour la musique. Et le Aki fan c'est pour rejoindre les fans de l'Aki. De Akinator. Voilà. Donc nous on va commencer une game pour vous faire voir comment il fonctionne. Aki start. Donc on va essayer de faire deviner quoi. On va essayer de faire deviner quoi. Ah bah tiens, faire deviner. Ah la vache. On va essayer de faire deviner un comment dire.
Un youtubeur, tiens. Cyprien. Allez, hop, Cyprien. Pourquoi Cyprien, je ne sais pas. Je vais pas vous répondre. Est-il masculin? Yes. Est-il un rapport avec le sport? Non, pas du tout. Est-il vécu en France? Oui. Est-il un youtubeur? Oh putain. Du jeu vidéo? Non. Lui, c'est plutôt les vlogs. Il est un supporter de RC Lens. Alors là, je ne sais pas du tout. Alors, les fans de Cyprien, dites-le moi. Parce que je ne connais pas du tout. Fait-il partie du jeu Team Fortress 2? Non. Domaine de la musique. Alors, je sais qu'il a composé, mais c'est pas en termes de professionnalisme, c'est plus en termes de plaisir. Donc, je dirais que non. Vit-il avec ses parents? Ça fait longtemps qu'il n'y est plus. Hein. Est-ce que certains croient que ton personnage est d'une autre personne? Peut-être. A-t-il déjà fait des vidéos avec Squeezie? Oh merde, je suis obligé de répondre oui. Est-il sociologue? Non. Est-il dans un cartoon? Non. Est-il noir de peau? Ah non. A-t-il des enfants? De mes souvenirs, non. Ton personnage a-t-il une chambre rose? Chambre rose? Qu'est-ce qu'il en ferait d'une chambre rose? Mange-t-il souvent des tacos? Je ne pense pas. Hein. Est-il un musicien romantique? Non. Porte-t-il des lunettes? Alors, de mes souvenirs, il en porte. Ton personnage est-il d'origine roumaine? Alors là, pff, aucune idée. A-t-il plus de 5 millions d'abonnés? Oui. A-t-il les cheveux bouclés? Non. Ton personnage est-il un sexe symbole? Ok. Non, non. Est-il roumain? Non. Est-il papa? Non. A-t-il déjà divorcé d'une star? Non. Joueur Arsenal? Non. A-t-il un nom en rapport avec la nourriture? Cyprien? Non. Il a un nom en rapport avec un film. Il y a un film qui s'appelle Cyprien, mais pas avec la nourriture. Ton personnage a-t-il fait des fanfictions avec Squeezie? Là-dessus, bah oui, là-dessus, il a fait des trucs avec Squeezie. A-t-il déjà clashé un rappeur? Cyprien a déjà clashé un rappeur. Alors, je vais mettre probable. Mais je ne suis pas sûr. Gluten, pour mon avis, non. Et ben voilà, les amis. J'ai réussi à faire deviner à qui. Bah. Cyprien. J'ai réussi à lui faire deviner Cyprien. Et ben voilà, les amis. C'est fait. J'ai réussi à faire deviner Cyprien. Et ben voilà, les amis. Je vous ai expliqué très rapidement, c'est un bot qui est très simple d'explication, très rapide à expliquer également et facile à y jouer. Merci à vous d'avoir regardé et puis je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao ciao!